Et salut les carbonoobs et salut les carbofans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme Pégase. Alors aujourd'hui, on est de nouveau sur la base de Minmus pour lancer un vaisseau qui va rejoindre plein de carburant la station service. Et donc pour ce faire, eh ben on va déjà commencer par fabriquer le vaisseau. Alors ce vaisseau, juste que je le retrouve, Supplier Carbine 11, le voilà. Donc on va le lancer. Alors on voit que il a besoin de 4037 et quelques pièces, mais les ingénieurs vont en produire pendant que celles-ci sont consommées, et du coup ça va aller relativement vite. On va accélérer le temps puisqu'on a de toute façon une alarme qui nous dit quand le vaisseau est terminé. Voilà, alors on voit que les ingénieurs, ils ont produit plus que n'a consommé. Ça, c'est grâce à nos petites réserves qu'on a rajoutées là récemment et qui fait qu'on a désormais des pièces en avance. Voilà, alors on va finaliser le build. Pour l'instant, on va fermer ça. Voilà le vaisseau. Alors il est doté d'un mini booster là parce que on a 8 moteurs ioniques. Mais pour décoller de Minmus, ça serait suffisant, mais ça consomme beaucoup d'énergie. On n'a pas les panneaux solaires qui sont super bien orientés, donc il vaut mieux partir avec un petit booster histoire d'assurer le lancement. Et puis en même temps, ça nous permet de nous débarrasser des pattes qui vont servir à rien par la suite. Donc voilà, on a ajouté quand même un petit booster pour le décollage. Alors ensuite on a évidemment 4 panneaux solaires. Alors ce sont des gigantors parce que les 8 moteurs là consomment une électricité de fou. Et donc c'est important de fournir l'électricité. Et en plus de ça, ce sont des panneaux qui resteront en demeure sur la station service pour renforcer la production de courant qui est déjà faite par les systèmes nucléaires, les RTS. Alors, au niveau carburant, on va faire les pleins. Alors, ici, on n'a pas de Monergol, donc on va aller faire le plein avec le réservoir de Monergol, ici. Ici, c'est une sortie. Voilà, ça va remplir. Alors le Monergol, il est juste là pour permettre l'amarrage. Hein. C'est les petits RCS qui sont ici. Il n'a pas d'autre fonction que de faciliter l'amarrage. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, c'est bon. Ensuite, il nous faut évidemment du xénon. Alors là, le xénon, il est produit actuellement par l'ISRU, parce que j'ai modifié l'ISRU pour qu'il puisse désormais produire du xénon. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait, parce que j'avoue que utiliser tout un arsenal nucléaire pour simplement produire du xénon alors qu'on avait déjà largement de l'énergie, c'était un peu loufoque. Donc voilà, là on va faire le plein avec pareil le réservoir de xénon. On va accélérer un petit peu le temps parce que ça n'a pas d'intérêt de passer du temps sur les remplissages de réservoirs. Suis un peu enroué, je suis désolé, c'est bientôt le printemps et les pollens commencent à sortir. Et évidemment, ils le font savoir. Voilà. Donc le xénon, on a tous les pleins. Alors j'ai un petit réservoir supplémentaire ici. Ouais, c'est bon. Est rempli. Donc ça c'est bon et il nous reste à faire le plein de la raison pour laquelle on fait tout ça. Ce gros bidon. Alors ce gros bidon, pour des raisons de présence du bouclier ici, on peut pas faire le transfert. On va être obligé d'utiliser le tuyau. Donc on va demander à un ingénieur, Clovins, de venir nous aider. Alors, un petit peu de RCS, il avance, on le déplace. Voilà. Et voilà.
Très bien. Alors, on va le faire comme d'habitude, monter à l'échelle. S'il veut bien. Hop. Arrivé en haut, il va tomber comme d'habitude. Parce que les échelles et les kerbales, ça fait deux. On va attraper le robinet, enfin le plug. Voilà. Le placer. Saisir le connecteur. Et on va. Alors, je percute ou je percute pas? Oui, je percute un peu là. Voilà. S'arranger. Pour monter tout ça. Ouais, doucement, doucement, doucement. Tombe pas. Voilà. Et ici, on attache le connecteur. Très bien. Ensuite, il faut descendre. Et on va s'approcher. Ah, pardon. Youpi, un petit saut. Voilà. On va s'approcher de la pompe parce que sinon elle refuse de fonctionner. Ouvrir la fenêtre. Voilà. Et là, on va faire une sauvegarde. Parce que le. On va être obligé de déconnecter l'ensemble là. Et à ce moment-là. Il y a une chance sur deux que notre vaisseau parte n'importe comment. Alors show 8, voilà, là on fait le release. Bim. Voilà. Et dès qu'on fait le release, on voit ce qui se passe. Le vaisseau saute en l'air. Merci le Kraken. Et il commence à bouger dans tous les sens. Alors 1095, bah c'est bon, on a déjà le plein. Bon, bah c'est super. Donc, notre petit ingénieur, là, on va lui dire de détacher le connecteur et de le verrouiller. Voilà. Ensuite, on va le renvoyer à la maison. Il y a des pièces à fabriquer avec tout ce qu'on a consommé. Et on va lancer le vaisseau. Hein. Base de Milmus. Alors F B, on peut fermer ça, voilà. Ok, une petite sauvegarde. On va déployer nos panneaux, s'ils veulent bien. Alors bon. Ah oui, je suis pas sur le. Ce sont ces panneaux-là que je suis en train de déployer. N'importe quoi. C'est le vaisseau qu'on veut. Voilà. On va déployer nos panneaux solaires, histoire de s'assurer d'avoir d'abord une forte charge électrique, et ensuite de pouvoir utiliser les moteurs ioniques. Bon, je crois que là on est paré pour le décollage. On va laisser la base, et on va décoller donc plein est, comme d'habitude. Alors, allumage des moteurs, le booster va nous aider un peu, on voit que c'est poussif, c'est pas étonnant. Avec un SAS, on sera un peu mieux. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est de rester avec le prograde sur la ligne des 90. Le temps que le booster s'efface, voilà, on éjecte le booster et on continue uniquement avec les moteurs ioniques. Donc là, nos gigantors font le travail, hein. Il n'y a pas de problème.
essayer de rester sur les 90 degrés autant que faire se peut. Parce qu'évidemment, comme on n'est pas tout à fait à l'équateur, même un peu loin de là, eh ben, l'ensemble a tendance à se déporter. Alors, au niveau mode manœuvre, on va monter jusqu'à 7500 mètres à peu près. Ah, il y a ce parasite encore là qui s'est mis. Bon, ah, tant pis. C'est moche, mais ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Donc ça c'est pas très grave. Voilà, puis on va quand même rester sur les 30 degrés quand même. Parce que si on suit directement le prograde, on risque de pas passer les. Faut quand même avoir une montée positive et passer les montagnes. Voilà, donc la base a disparu dans le lointain. La paix est à 4000 mètres, donc là je pense qu'on n'aura pas de soucis. On va vérifier le déchet, c'est bien, il va retomber sur Kerbin, bien sûr. sur Kerbin, sur Minmus, mais pas sur la base, ce qui était quand même l'objectif. Voilà, là on va pouvoir passer prograde pur. Et à 7500 mètres, on coupera les gaz. Ah, c'est dommage ce parasite là. Je sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir. Alors, on arrive à 5800 mètres, donc on n'est pas tout à fait au niveau de la paix. Hein. On n'y est pas encore. Je vais essayer encore de corriger un petit peu le prograde. S'il veut bien rester sur les 90. 6600, c'est bon. C'est là qu'on lit la poisse. Hein. 7000, 5005, 7005, voilà. Même moteur coupé, le parasite est là. Bon, ah, tant pis, on fera avec. Donc, on va revenir prograde. Et on va proposer une mise en orbite à 7500 mètres. Au niveau de la paix. Voilà, 7004, 7008. On déplace légèrement. Plus. Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. Alors, on va essayer de faire tourner notre exec. Bien. Run, node exec, fill node found. Ah oui, j'ai mis un E de trop. Voilà. Alors, ah bah par contre, le vaisseau là, il s'active pas. Bon. Faudra que je trouve la raison de ce bug. Je ne sais pas, je la connais pas. C'est pas grave, on va pousser à la main. On va faire la manœuvre, la mission à la main. Node exec veut pas fonctionner. Bizarrement, alors est-ce que c'est parce que on. Ah bah le débris s'est posé, il n'a pas explosé. Intéressant ça. Et ça c'est quoi ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? J'ai l'impression que ça bug pas mal quand même, hein, quand on fait des lancements depuis. Bon, on va se préoccuper de la mission, c'est le plus important. On va avancer. Se recentrer.
10, 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Allez, c'est parti pour 30 secondes de poussée. Donc là, évidemment, on n'a pas les poussées des moteurs chimiques, hein. On a eu du ionique et j'en ai mis 8 en plus. C'est dire à quel point ça pousse pas très fort. Niveau RPP, on est à 1,4, mais c'est par rapport à Minmus. Je pense que sur Kerbin, on doit être plus près de 0,1-0,2. Ok. Voilà. On est en orbite. Alors maintenant, on va rejoindre Kerbin. On va essayer de pousser dans ces eaux-là. On va voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Ouais, c'est pas bien. Alors ensuite, on va utiliser la mune pour recentrer nos nœuds à 45 degrés carrément. Donc là, on va rabaisser tout ça, ce qui va nous rapprocher. Le PE. Pas chercher à faire parfait hein, sur la poussée puisque de toute façon on corrigera en finale une fois qu'on sera dans le bon SOI. Alors on va essayer de pousser, de descendre jusqu'à 50, peut-être un peu plus bas, on verra. Là c'est pas mal, on a 1 degré, ouais. Allez, on va dire que ça c'est bon. Alors, on voit quand même que l'inclinaison là, elle est de 13 degrés quand même. Bon. Par contre, j'ai l'impression que ouais, on n'est pas loin de la ligne des nœuds là. Donc, ouais, apparemment, ça c'est plutôt une bonne chose. On est parti au bon moment, on va dire. Ok. Alors, 15 minutes. Bon, on va avancer. On va avancer jusqu'à là. Jusqu'à la manœuvre. Ce qui devrait nous remettre au soleil. Voilà. Et donc, on n'aura pas de soucis de charge électrique. Combustion, 4 minutes quand même, hein. Là, je sais pas, je vais peut-être faire une petite ellipse. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, allumage. Ok. Donc poussée de 4 minutes, bon, c'est pas intéressant, donc je vais mettre l'interlude Pégase et on va faire une petite ellipse et je vous reprends à la fin de la manœuvre. A tout de suite. Voilà, donc là on s'approche de la fin de la poussée. Il nous reste encore une dizaine de secondes. Pourquoi il s'arrête pas? Pourquoi il s'arrête pas? Mon Dieu, je lui ai demandé de s'arrêter, il s'arrête pas. Incroyable ça. J'ai l'impression que cette mission est largement buggée. Je ne sais pas si c'est si c'est moi ou si c'est KSP qui a un souci. Bon, mais tant pis, on va assumer, on va corriger tranquillement. Alors, ouais, du coup, on a pris du nœud ascendant. Et puis on n'a plus de PE. Bon. Allez, on va changer de SOI déjà avant toute chose.
sera déjà ça de fait. Allez, voilà. Bon, alors, on a besoin de mettre. Est-ce que c'est du prograde ou du rétrograde? Là, j'ai toujours un doute. Bon, je pense que c'est du prograde qu'il faut mettre là. Oui, c'est bien ça. Donc là, on va avancer un peu pour faire réapparaître le PE. Ça s'arrête bien pourtant. Pourquoi ça s'est pas arrêté tout à l'heure? C'est bizarre, hein? J'ai pas psychoté les touches pourtant, donc je sais pas. C'est pas grave. Alors, ok, maintenant le nœud ascendant il est pile au mauvais endroit. Ça va être embêtant à corriger ça. Alors, si on se met en antinormal, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est bon, c'est off, non, rien ni autre. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'on corrigera le nœud qu'une fois sur en orbite autour de Kerbin. C'est pas un cadeau, ça. C'est pas un cadeau, parce que ça nous coûtera pas mal de delta V. On refera un test par là. On va déjà avancer ici. Ça a remis le périastre à... Oh là là. Alors, revenons prograde. Alors, c'était pas la bonne commande. Je m'étais pas mis en normal. Ah si, ça diminue bien. Bon, j'ai dû rater quelque chose tout à l'heure. Ici, on va mettre la manœuvre, la vraie, dans l'autre sens. Voilà. Quand même 36 mètres par seconde. Hein. Il n'en reste plus beaucoup des mètres par seconde là. Ça n'a pas facilité la vie là, le système. Bon. Espérons que ce sera suffisant quand même. Alors là, on est dans l'ombre pour tout arranger. Donc ça veut dire qu'on va vivre sur la batterie. Soit. Restera 250 mètres pour faire les réglages et approcher la station. J'espère que ça sera suffisant. Voilà le soleil, c'est déjà ça.
Ok, alors maintenant on se freine. Donc on va venir prograde. On va d'abord recharger la batterie. Ça va être vite fait avec le Gigantor. Voilà. On va déployer le bouclier thermique. On va replier le Gigantor. Et on va activer trajectory. Descente prograde. Très bien. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Bon, alors comme on va passer en mode économie d'énergie, on va peut-être faire deux passages, voire trois, histoire de pas trop cramer les delta V qui nous restent là, il ne reste plus beaucoup. Alors, supply carbine définir comme cible. Voilà. Et donc, je voulais regarder les nœuds. Elle est partie là-bas, l'autre. Zéro. Ouais, c'est bien ça. On est bien sur l'équateur. Bon, ça, c'est déjà ça de fait. Alors, on va se mettre en prograde surface parce que on veut que le bouclier soit l'efficacité maximale. Avancer ici. Et voyons ce que ça nous donne. Essayer de faire ça relativement vite. Pas trop vite, là je vois qu'on n'a plus de sonde. Donc évidemment ça oscille dans n'importe quel sens. Au moins le temps qu'on retrouve le contact. Voilà, on a à nouveau le contact, on est recentré. On peut réaccélérer le temps. Ah, pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Là c'est bon. Alors, on va accélérer le temps, disais-je. De remonter dans l'espace. Voilà. Donc à partir de là, on va aller voir où on en est. Donc ouais, on est encore très très loin. On va faire un deuxième passage, mais ce coup-ci avec une manœuvre qui nous ramènera légèrement au-dessus. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça nous coûte pas cher, ça nous coûte 0,8 mètres par seconde. Pousser un tout petit peu plus. Voilà, 1 mètre par seconde. Donc là, on va refaire un passage qui va nous monter ici. D'ici. Oh, on pourrait peut-être même en mettre encore un peu moins. Oh, encore que là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On peut rajouter un point de manœuvre. Non, pas rêvé. Bon. Bon, on attendra le passage. Là, on est peut-être pas mal et on essaiera de se synchroniser. Je suis vraiment désolé pour ma voix, c'est catastrophique, j'en ai bien conscience. Mais...
peu éclairci, il sera peut-être un peu moins pire, en tout cas pour un certain temps. Bon, ben là on va avancer jusqu'au point de manœuvre suivant. Peut ressortir les panneaux solaires éventuellement. On a un peu de réserve, mais ça fera pas de mal. Batterie rechargée. On peut les ranger, ça évitera de les oublier, générer une catastrophe. Et on va avancer gentiment jusqu'à la poussée. 10. 4, 3, 2, 1, poussée. On sent encore un peu loin, hein, 90 km, mais ça peut être intéressant de profiter de ça. Bon, il reste encore pas mal de delta V, donc je pense qu'on peut gérer. Bon, le PE est quand même encore à 50 km. Une petite sauvegarde, un petit moment qu'on l'a pas fait, et on va arriver ici. Allez, zou. Alors 90 km, on va se croiser. C'est bien, on évite la catastrophe. Prograde 12 km, surface, c'est ok. Donc, nouveau passage dans l'atmosphère. On remonte. Espace, ok. Alors, maintenant qu'on est comme ça, on va dans un premier temps évacuer le bouclier dont on n'a plus l'usage. Et une fois qu'on aura fait ça, eh ben on va essayer de synchroniser les orbites. Alors pour ça, il va falloir déjà ajouter une manœuvre pour sortir le PE de l'atmosphère.
fois que ça se sera fait, une deuxième manœuvre pour s'approcher et s'éloigner, je sais pas trop là. Alors là on s'éloigne. Pas terrible ça. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, mais là, on pousse le... ça m'ennuie ça. Je voudrais pas pousser la paix. Donc si je veux pas pousser la paix, c'est à la paix qu'il faut que je pousse. C'est aussi simple que ça. Et du coup ici là j'ai une opportunité, on dirait. Oh là, oh là. Non. Oui. Voilà, ça c'est pas mal ça. Super. Et ici, notre PE est au-dessus de l'atmosphère, donc c'est impeccable. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pour 26 mètres par seconde, et ici on aura 148 mètres par seconde, donc il nous en restera assez pour nous arrêter. Donc c'est pas mal du tout ça. Ok, alors si on veut faire ça, donc je disais ici, on va éjecter le bouclier et ensuite enchaîner la manœuvre. Alors la manœuvre. Une minute 46. Ah ouais, c'est celle-là. Je pense que je vais arrêter de parler parce que c'est horrible. Alors, rétrograde orbite, ça c'est pour l'éjection. Et ensuite, on se mettra sur le pneu de manœuvre. Alors ce que j'aurais c'est... ah oui alors attention parce que là c'est rétrograde hein. Si je veux éjecter le bouclier. Voilà. Donc là on va éjecter le bouclier en rétrograde et ensuite on se met à la manœuvre et on pousse simplement. Ok donc combustion dans 30 secondes, faut compter 10 secondes, disons qu'à 20 secondes on va éjecter. Éjection. On se retourne et on est prêt à pousser. Voilà. Et on ira voir où est parti le bouclier s'il retombe bien sur Kerbin comme prévu. 6, 5. 4, 3, 2, 1, poussé. On est un peu plus léger, on n'a plus le bouclier. Donc on a dû gagner un peu de delta V. Puis ce serait pas mal de faire ça avec les panneaux solaires, là, tant qu'à faire. Sinon on va se faire piéger sur la batterie. Ok, voilà pour la poussée. Donc, la batterie est à toc, on peut rentrer les panneaux solaires. Bon,
En même temps, là, on ne va plus, on ne va plus dans le, dans le. Oui, dans l'atmosphère. Ça s'appelle l'atmosphère. Voilà. On n'y va plus. Donc, on peut laisser les panneaux solaires tout le temps sortis maintenant. Donc là, c'est bien. Le bouclier veut bien retomber au sol. Donc ça, c'est impeccable. Le PE est bien au-dessus de l'atmosphère, ça c'est parfait aussi. Donc on ressort les panneaux solaires cette fois-ci à peu près définitivement. Et on va se mettre un point de manœuvre ici. On a dit qu'on avait combien? 148. Donc 148 moins 148. Voilà. Ah non, c'est pas 148, c'est 168. D'accord. Encore faut-il rentrer les bonnes valeurs. Ça nous fait une poussée quand même de 3 minutes 30. Donc 3 minutes 30, ça veut dire que il faut pousser à 1 minute 15 avant le ici, même plus que ça. Il faut pousser à 3 minutes 30 si on veut s'arrêter. Ouais. 3 minutes 30. Ok, dans 19 minutes, on va venir au PE déjà. Là, le déchet, il est bien retombé. C'est OK. On est à 4 minutes 50. On a dit 3:30. Je sais pas trop pourquoi la distance de séparation augmente autant là. Bon, on va faire avec. Probablement dû au fait que on pousse pas comme exactement comme il faudrait, vu la durée de la poussée. Celui-ci se rapproche. Si on rate celui-là, on prendra celui-là, hein. On ira par petites touches.
Donc on va plutôt repousser à celui-là. Alors ce qui m'ennuie, c'est que ce sera de nuit, comme d'habitude. Pour faire ça, là, il faudrait peut-être remanœuvrer dans l'autre sens, mais j'ai pas trop envie de gâcher du delta V, il en reste plus beaucoup. Donc voilà, ici, si on fait une manœuvre pour... Là, j'augmente. Voilà, de freinage. Alors, on l'augmente aussi. Oh, c'est quoi ce délire? Ah oui, c'est parce que je suis pas sur la rétrograde cible. D'accord. Bon, disons qu'il faut commencer à pousser peut-être minute avant. Une minute avant. Avancer ici. Rétrograde cible, ok. À pousser là, au moins on diminue la distance, a pas l'air de trop augmenter. Si elle augmente un peu là. Ce qui est bien, c'est que ça va au soleil. Devrait l'avoir avec un peu de chance. Ouais, là voilà la station. Alors, on va foncer dessus, puisqu'on la voit. Très bien. Bon, il nous reste même du delta V. Donc on se plaint. De quoi se plaint-on? Je vous le demande.
Et ben voilà, on a fini par arriver sur cette station. Sans drame. Nous y voilà. Alors, on va s'amarrer sur ce nœud. On va définir comme cible. Et on va utiliser. Alors, on n'a plus besoin de trajectory. Non. On va utiliser le docking système. Voilà. Alors, on va juste faire attention au panneau solaire là. Où est la sonde? Ah, d'accord. On n'est pas tout à fait bien placé, c'est dans le sens. Voilà la mire. Voilà. Et avec nos RCS, on va reculer. Je vais quand même rentrer les panneaux solaires parce que j'ai pas envie de les casser. Ce serait dommage. Bon, là on est pas mal. Donc on va pouvoir. Non, c'est pas ça que je veux faire. Toujours aussi polio des doigts, moi. Voilà. Du calme. Accrocher, paré pour le bisou. Boum, bisou. Alors du coup là, la flamme pirate a été transférée. Bon, pas trop chercher à comprendre. Ouais, on a réussi un joli 45 degrés, là c'est bien ça. Impeccable. Bon, nous sommes amarrés, donc c'est super. On va pouvoir couper les RCS, passer un anti-radial. Voilà. Alors, notre bidon et ce bidon. Allons bon, on peut pas transférer. Le gag. Le gag, pourtant là il n'y a aucun bouclier, donc c'est sûrement qu'au travers de la coupola ou je ne sais quoi. Peut-être ici il faudrait faire autoriser, permettre alimentation croisée. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Super. Donc on va sortir le carburant. Et aussi ça aurait été assez ridicule qu'on puisse pas. Voilà. Et donc maintenant, on peut en toute bonne conscience éjecter ça, parce que ça, c'est pas destiné à rentrer. Avant de faire ça, on va déjà faire une petite sauvegarde. On va redéployer nos panneaux solaires, il n'y a pas de raison. Donc maintenant, on va demander à.
Comment s'appelle-t-elle? Ah, Tonfine. Oui, c'est vrai. J'adore ce nom. Je trouve ça mignon comme tout. Tonfine. Voilà. De faire une AFV. Et bien, ma foi, d'éjecter cette partie-là. Alors, le truc, c'est que comme c'est un bouclier, il est légèrement bombé. Donc, en fait, il est légèrement rentré dans le sas là. Et du coup, dès qu'elle va l'éjecter, il va partir comme une fusée, ce machin. Bah, quitte à ce qu'il parte comme une fusée, autant se mettre en rétrograde. Alors là, on va se mettre du mauvais côté. Prograde, je voulais dire. L'idée, c'est que ça freine. Voilà, c'est que l'éjection nous freine. Ça sera toujours du delta V de perdu. Voilà. Très bien. Sinon, on n'a rien de particulier à récupérer. Sur le. Ah, j'ai laissé le. Décidément. Décidément. Il n'y en a plus là-bas. Il va falloir les fabriquer. Ah, c'est pas possible. Bon. J'ai laissé le plug. Comme ça. Comme ça, si c'est la seule bêtise de la mission, on aura de la chance. Estimera qu'on s'en sort bien. Donc, ton fine. Tu prends ton outil déjà pour la sélectionner. Voilà, inventaire, équipé de l'outil, donc ça c'est bien. Et puis ici, détaché. Ponk. Voilà. Au revoir. Alors ensuite, on va lui demander de rembarquer et on s'occupera de ça plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper. Ah bah du coup c'est lui qui a récupéré la mèche parasite là. Donc on va se passer de ça. On va faire contrôler d'ici. S'il n'y a pas de raison. C'est bon. C'est la bonne. Je reconnais plus mes pièces, moi, tellement c'est imbriqué. Oui, ça c'est le module de guidage. Voilà. Contrôler d'ici. Très bien. On passe en rétrograde. Alors là, on vit sur la batterie, hein. Donc il faut faire attention à pas trop tirer dessus. Et puis, et ben une fois en rétrograde, on rentre. Voilà. On va descendre à, je sais pas, 50, 55. Allez, 50. Très bien. On repasse prograde. Et on fait descendre tout ce petit monde. Sans oublier les parachutes, bien sûr. Donc l'idée c'est de voir si, parce que c'est quand même un ensemble, mine de rien, assez gros, assez complexe, ça serait bien si, venant de Minmus, on pouvait les récupérer au KSC. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi il y a deux KOS là. Peut-être pour ça que ça plantait tout à l'heure. Ah, si ça se trouve. Bon. Alors, trajectory. On affiche la trajectoire. Et là, on tombe. Ah ben, c'est pas beau ça. Regardez, on tombe tout près du KSC. Voilà. Magnifique. Magnifique. On pourrait peut-être même affiner ça. C'est bien du programme. Hein. Ouais. En diminuant encore légèrement l'altitude. Histoire d'aller se poser au plus près. Ce serait marrant. Là. Voilà, pas plus bas. Ça sera très bien. C'est au moins le porte-avions n'aura pas à aller très loin. Je dis le porte-avions, mais ce sera peut-être pas un porte-avions. Qu'est-ce que c'est ce déchet qu'on a vu là tout à l'heure? Ah, c'est un truc. S-Lander Eve. Bon, je vais voir ça. Bon. Eh ben, on va approcher. C'est ici. C'est la station, ça. Ah ouais. A pris l'apanage d'une station. Bon, ok. Ça, c'est parce qu'elle vient d'une station. On a bien sorti les boucliers. 71. Allez, on avance un tout petit peu. Surface, et c'est parti pour la descente.
c'est pénible ça. Je sais pas. Je crois que je regarde sur Planetary Base s'il y a un bug qui a été reporté et s'il a été corrigé entre-temps. Possible. Longtemps que j'ai pas été voir les mods. Bon, quoi qu'il en soit, on descend. Descend pas très très haut, donc on va pas très vite non plus. J'avais juste choisi un bouclier large parce que je voulais pas risquer d'abîmer les parachutes en mettant un bouclier juste adapté. Ça aurait été un peu dommage. Puis c'est pas mal comme ça, c'est assez fun, je trouve. Allez, hop. 50 000. Ah, ça commence à frotter dur. Alors j'ai pris un bouclier sans ablateur pour gagner un peu de poids. J'espère que ça aura pas trop de d'incidence. Ce qui est sûr, c'est que là on est en plein bug radio. Ionisation de l'air qui empêche le passage des ondes électromagnétiques pour rejoindre les antennes. Bon, ça a pas duré trop longtemps. On va rechoper le contact, voilà. Et on est toujours intact. On va se poser dans l'eau. Sauf erreur. C'était l'idée en tout cas. Oui, a priori oui. Où est le KSC? Ah bah il est là. Voilà, super. Impeccable. Déploiement des parachutes de freinage. Déploiement des parachutes principaux. Ouverture des parachutes de freinage. Ouverture des principaux. Retournement de la bête. On va couper le SAS, ça sert à rien. Voilà. Et descente à 6-7 mètres par seconde. Bon, c'est parfait. Parfait. Bon, on va accélérer encore un peu. Jusqu'à 100 mètres. Le feu de Bengale s'est envolé à une certaine altitude. C'est assez bizarre comme. Attention, le plouf. Voilà. Bon, tout est sous l'eau. Mais ça flotte. C'est très drôle. J'adore ce jeu. Ok. Eh ben, on va le récupérer tout ça. Ça serait dommage de gâcher. Non, c'est pas ça. C'est là-haut. Récupérer le vaisseau. Voilà. Alors, est-ce que ça ramène des sous ou est-ce que comme ça vient de Minmus, c'est compté comme gratuit? J'ai jamais testé ça. On va voir. Eh ben, ça ramène des sous. 80 000 brousouf. 80 000 crédits. Bon, ben, c'est super. Belle mission. Ce qu'on peut aller regarder, je voulais regarder sur la station. Oui, éjecter l'élément manquant et puis on arrêtera la vidéo à ce moment-là. La station, c'est Supplicarbine, voilà. Avec Tonfin Kerman. La Kerbal qui voulait tourner. Alors, antiradial. Ouais, rétrograde même plutôt, non. Je sais plus qui contrôle là-dedans. Contrôler d'ici, par exemple. Voilà, très bien. Alors, avant de partir, il faudrait peut-être. Ouais, on a de la place.
On n'a pas besoin de CRCS ni de ce ni de cet élément. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu rajouter aussi, un sac inventaire là comme ça. Fera peut-être l'objet d'une prochaine mission, ça. Ici, non, si on découple, il faut se débrouiller avec tout ça. On pourrait le mettre là. Ouais. Ouais. Oui, on va en rajouter hein, ce petit truc là. Là. Alors le truc c'est que ah si, il y a du RCS à bord. Oui, il y a du RCS, mais il n'y a pas les. On pourrait prendre cela. Je réfléchis. Ouais, donc on va éjecter ce système là. Alors, faut se méfier parce que ton fin elle est peut-être pas capable de manœuvrer la cupola là. Donc il faudrait peut-être avoir la sonde à bord. Ou sinon on en amènera une. On se débrouillera. Parce que là s'il faut la démonter, ça va être pénible d'activer les boosters. Donc j'aime autant pas. On se débrouillera, on fera venir une sonde s'il faut. Et ramener ici un petit panier comme ça, un petit conteneur. Pour y mettre divers trucs. Qu'on n'a pas d'utilité tout de suite, mais qui pourraient servir au fur et à mesure qu'on va rééquiper. Ok, bon, et ben alors donc c'est bien, on éjecte. Éjectons. Ce moteur là, ben, on n'en a plus besoin. Donc on va l'éteindre. Voilà. Et puis ben, on est bien dans le bon sens. Les fusées vont partir dans le bon sens ou pas? Oui, hein. Ouais. Allez, rétrograde. Feu d'artifice. C'est parti. Voilà. Alors, parti. Pas très bien dirigé, mais bon, ça devrait suffire. Alors du coup ici, ouais, c'est bien ce que je pensais, ton fin, elle ne sait pas faire marcher la station toute seule. Bon, donc il va falloir rapporter une sonde. Ok, bah prochaine mission, on rapportera une sonde et puis on ira insérer ici. La sonde, l'accrocher éventuellement ici ou même carrément là, et puis manœuvrer, faire du montage. Ouais, ça peut être intéressant ça. Ok, on fera ça. Parce que faire venir un pilote juste pour tenir la cupola, bof, bof. Bon, les pilotes, c'est pas ce qui manque, hein. Faire venir un pilote, ce sera encore le plus simple. Bon, on avisera. Ok, alors je voudrais juste vérifier que le déchet retombe bien. Déchet, oui. Où est-il? Ah, il n'est pas considéré comme un déchet. Community. Eh ben, étonnant ça. Pourquoi il n'est pas considéré comme un déchet? Parce qu'il y a une sonde à bord. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il va où? Il tombe bien dans l'océan. Parfait. Ok. Bon, et bien sur ces considérations, je vais remettre l'interview de Pégase, comme d'habitude. Encore une vidéo longue. Ouais, 1h10. Et je ferai apparaître, comme d'habitude, le petit logo et la playlist. Je vous dis, portez-vous bien, mieux que moi avec ma voix là. Et d'ici là, la semaine prochaine. Allez, ciao!